forums hein, depuis fin 2015 quand même. Hein. Puis en Afrique, on en a fait des palanquets maintenant avec Jasmine, avec Désiré, avec Christian, qui sont mes co-organisateurs de cœur là-dessus, que ça soit au Togo, que ça soit à Paris d'ailleurs ou ailleurs, que ça soit aujourd'hui, c'est le Maghreb. Alors Lady Divine, par contre, tu enlèves le micro quand tu ne parles pas. Voilà, je lui ai enlevé à mon ami Lady. Et cette dernière session de la journée, vous retrouverez d'ailleurs l'ensemble des sessions dans les replays. Hein. Alors, bon, évidemment, sur mon compte LinkedIn, vous avez les replays actuels qui sont dans les derniers posts, puisqu'ils sont tous en temps réel sur LinkedIn. Mais vous avez également ça dans la playlist qui s'appelle Africa. C'est assez facile, hein, Africa. La playlist sur la chaîne du Social Selling Forum, d'accord ? Sur YouTube. YouTube, vous tapez hashtag Social Selling Forum. Si vous ne trouvez pas, bon, alors il faut apprendre à servir des outils numériques. Hein. Voilà. Et cette dernière session, c'est une session un peu d'inspiration. On va tous être inspirés par Brice et par Mehdi. Mehdi, il va nous inspirer au travers des... Comment ça s'appelle ? Utility tokens. Alors, j'ai rien compris, mais vous allez voir. Ça va être dans 15 minutes. Et en attendant, on a demandé à Brice de nous refaire un numéro tel qu'il nous l'a fait il y a 6 semaines. Alors, ce sera un sujet un peu différent, d'ailleurs. Hein, et c'est Jasmine qui va faire le démarrage. Vas-y, Jasmine. Merci Loïc de me passer la parole. Donc, pour introduire Brice, Brice c'est une personne de cœur hein, que j'ai sollicité il y a justement 6 semaines, qui m'a dit oui avec grand plaisir et qui est venue et qui a fait en sorte que Loïc tombe littéralement amoureux de tout ce qu'il dit. Vu qu'il a encore été reconduit pour ce Social Selling Forum, et là je suis contente parce que je me dis j'ai bien aligné les personnes. Brice, en fait, c'est quelqu'un qui sait poser les mots. Il sait poser les mots, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Je vais vous laisser le découvrir. Il sait poser les mots et il en a fait son métier. Et j'aime sa philosophie. Ce qu'il fait, Brice, il vous raconte une histoire, mais il ne vous raconte pas des histoires. Donc, Brice, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jasmine. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est un gros privilège pour moi d'être là encore ce matin et partager ce moment avec vous. Je dis ce matin parce qu'il n'est pas encore midi ici au Canada, même si on a pu tous se téléporter dans le Maghreb, en Algérie. Merci beaucoup, Loïc, pour cette autre opportunité que tu me donnes. Merci à tous et à toutes pour votre belle attention. Aujourd'hui, on va parler de comment raconter une histoire qui vend. Parce que je sais qu'on est tous parfois dérangés par des histoires qui nous manipulent, qui font des trucs et tout, qui n'ont rien véritablement de social selling. Et donc aujourd'hui, j'espère pouvoir vous apporter une réelle valeur qui va vous permettre de raconter la bonne histoire de la bonne façon. J'ai eu le privilège d'en faire mon métier parce que la vie a voulu que ce soit ainsi. Je vais rapidement partager mon écran et une date. Mars 2014. Et ça tombe bien parce qu'on est le 30 mars. Si seulement le Social Selling Forum était tombé le 1er avril, cette présentation n'aurait pas de sens. Mais ça tombe bien, on est le 30 mars. Et mars 2014, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, j'ai été à l'école avec une jeune fille, belle, intelligente, sensible. Au départ, elle était ma camarade de classe. Après, elle est devenue ma sœur de cœur. Je la protégeais, je prenais soin d'elle. Et quand on terminait la licence, l'amour fraternel est devenu l'amour érotique. Cette jeune dame, je suis allé la voir et je lui ai dit, je ne vois que toi pour être mon épouse. Vous imaginez sa tête, ça a été un choc parce qu'elle ne s'attendait pas. Elle savait que voici mon frère à moi. Et aujourd'hui, il vient me dire qu'il veut que je sois son épouse. C'est juste pas possible. Ça m'a pris 3 ans. 3 années pour réussir à l'amener à voir que je pouvais être son époux. À l'amener à voir que je ne devais plus être seulement son ami, plus seulement son frère de cœur, mais aussi celui qui partagerait le lit avec elle. 3 années. Et mars 2014, on se marie.
On se marie en mars 2014, précisément le 29 mars 2014, à la mairie de Douala 5e, dans la ville de Douala au Cameroun. C'est beau, c'est grand, je me sens fort, j'ai la part, je suis content, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et dans ma petite tête, depuis le jour où elle m'avait dit oui, je m'étais demandé, qu'est-ce que je vais lui offrir comme cadeau? Un cadeau qui est à la hauteur de l'attente qu'elle m'a fait vivre 3 années. Un cadeau qui serait à la hauteur de tout l'argumentaire que j'ai dû déployer. Un cadeau qui serait à la hauteur de la femme belle, intelligente et aimante qu'elle est devenue pour moi. Et donc, je me suis dit, ça va se jouer au niveau de la lune de miel. Il faut que je lui offre quelque chose de bien. Mais seulement, il fallait que je lui fasse une surprise. Et je suis allé voir son père, mon beau-père. J'ai pris son passeport, on a travaillé sur un certain nombre de choses, la destination, on a pris les visas et tout, à son insu. Et elle, je lui ai dit, écoute chérie, tu sais, on a investi beaucoup d'argent dans le mariage. Malheureusement, si concerne notre lune de miel, on va devoir peut-être la reporter pour une autre année pour prendre une véritable lune de miel parce que là, je n'ai pas assez d'argent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'ouest du Cameroun, on va aller visiter le centre climatique de Tchang, qui est à l'ouest du Cameroun. Et naturellement, ce n'est pas une femme exigeante à la base. Elle m'a dit oui, je comprends très bien l'affaire, on a de l'endemain à vivre et tout. Et donc voilà, elle a accepté qu'on aille, qu'on prenne juste la route, on roule 4 heures de temps et puis on arrive à Tchang au centre climatique. On passe quelques jours puis on rentre chez nous à Douala. Sauf que le jour du voyage, c'était un jeudi, je la prends, je sors, je laisse ma voiture, j'emprunte plutôt un taxi et je dis « Aéroport international de Douala ». On entre dans le taxi, elle me regarde, elle est surprise. Elle me dit « Mais tu m'amènes où? Tu avais dit qu'on y est à Tchang. Pour aller à Tchang, on n'a pas besoin de passer par l'aéroport. » Je lui ai dit « En fait, on va aller à Pointe-Noire, au Congo. » Pointe-Noire, c'est une belle ville balnéaire dans le pays, dans le Congo, Brazzaville, tout à côté du Cameroun. Je crois que c'est à 1h ou 45 minutes de vol. Donc, je lui dis, on va aller là. Vraiment, j'ai pu trouver un peu d'argent pour qu'on aille là. Et donc, on arrive à l'aéroport. C'est le moment de faire le check-in, identifier les passagers, etc. Boum, elle arrive. C'est Dubaï. Ce n'est ni Tchang, ni Pointe-Noire. C'est Dubaï. On est parti à Dubaï, elle était toute heureuse, vous imaginez la joie, on a visité, on a parcouru, nous avons découvert les merveilles de Dubaï, on a vu que c'était inspirant quand même de voir que sur le désert, les gens ont pu bâtir ce genre de choses, on s'est baladé, on écoutait de la musique arabe au niveau du Burj Khalifa, il y a la fontaine Dubaï qui joue au rythme de la musique, on écoutait des mélodies, on voyait de la beauté, etc. On était un peu partout, on a fait du safari, plein d'activités. Et elle était vraiment heureuse. Et c'est resté mémorable. À chaque fois, quand il nous arrive de nous rappeler qu'on est des êtres humains et que quelquefois, on ne peut pas s'entendre sur tout, parce que ça fait quand même 8 ans, on se rappelle quand même qu'on a été quelque part ensemble un jour et qu'on a passé un bon moment, entre autres voyages qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que raconter une histoire qui vend, c'est comme amener son amoureuse en lune de miel. C'est ça, raconter une histoire qui vend. Et qu'est-ce que ça prend finalement comme contenu? Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour s'assurer qu'à la fin de la journée, on aura un résultat probant, on pourra vendre? Eh bien, ça prend une connexion humaine. On est des êtres humains et on doit pouvoir raconter notre histoire, la bonne histoire aux êtres humains. On a parfois l'impression qu'on est plus robotisé dans notre façon de faire. On est dans le conformisme, on essaie de faire tout pareil, mais que non. Chacun est spécial, chacun est unique. Et il y a 4 éléments que je vais vous suggérer de mettre ensemble pour délivrer une histoire qui vend. Le premier élément, c'est votre pourquoi. Chacune
des histoires ou de vos histoires que vous allez raconter, parce qu'à la fin de la journée, votre histoire est plurielle. Il y a l'histoire de votre pourquoi, il y a l'histoire de vos valeurs, il y a l'histoire de ci, il y a l'histoire de ça. Mais tout ça revient dans le package de votre histoire. Et ça doit toujours reposer sur votre pourquoi. Quelle est votre grande vision? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que c'est pour laisser ce monde mieux que vous ne l'avez trouvé? Est-ce que c'est pour apporter une contribution significative dans votre domaine d'expertise? Est-ce que c'est pour amener un maximum de personnes à utiliser un outil que vous, vous utilisez déjà? Est-ce que c'est pour aider les gens à libérer leur super pouvoir et sublimer leur leadership, comme c'est mon cas? Parce que je suis là devant vous aujourd'hui, parce qu'un jour, ma mère, dans les rues d'un pays étranger, elle faisait des crises de folie, dépourvue de tout, elle n'avait plus rien, a su raconter son histoire à une inconnue qui m'a permis de la revoir plus de 25 ans après. Ma mère m'avait abandonné tout petit, mais grâce à son histoire racontée à une inconnue, j'ai pu la revoir. Donc notre histoire, c'est notre super pouvoir et ça doit reposer sur votre pourquoi. Premier élément. Deuxième élément fondamental, c'est la structure. Vous savez, raconter une histoire, rappelez-vous, c'est comme amener quelqu'un en voyage. Un voyage, ça passe par des étapes. Ma femme, lorsque je devais l'amener à Dubaï pour notre lune de miel, j'ai commencé par identifier le lieu où je voulais qu'on parte. J'ai fait toutes les formalités administratives en termes de réservation, de visa, etc. Ensuite, on a dû aller à l'aéroport pour faire le check-in. On a embarqué, on a volé, on est arrivé, on a séjourné. Une structure. Le troisième élément de l'histoire qui vend, ce sont les mots sensoriels. Voyez-vous, quand on est arrivé là-bas, ma femme a vu des choses qui l'ont captivé, qui sont mémorables. Quand on est arrivé là-bas, ma femme a écouté des musiques qui est restée et qui est mémorable. Quand on est arrivé là-bas, ma femme a touché de beaux vêtements et elle m'a dit, chérie, ça, je le veux, achète-le pour moi. Et j'ai acheté. Quand on est arrivé là-bas, on a mangé des plats qu'elle a appréciés, même s'il y en a d'autres qu'elle a moins appréciés. Mais toujours est-il que son goût a été mis à rude épreuve. Les mots sensoriels, c'est ce qui permet à la fin aux gens, non pas seulement de vous écouter, mais d'avoir une expérience de ce que vous dites, d'avoir une expérience de l'histoire que vous racontez. Une expérience sensorielle et une expérience émotionnelle. L'émotion. L'histoire qui vend va toujours et toujours procurer des émotions. Une histoire sans émotion est exactement comme un oiseau sans ailes. L'oiseau est fait pour voler et l'histoire est faite pour émouvoir. Et quand on parle d'émotion, ce n'est pas de la manipulation. Quand on parle d'émotion, ce n'est pas de faire pleurer les gens. Quand vous supprimez les gens comme j'ai surpris ma femme, c'est de l'émotion. La surprise est une émotion. Quand vous choisissez de donner de la joie aux gens, que les gens puissent rigoler parce qu'il y a un aspect humoristique dans l'histoire que vous racontez, exactement comme j'ai procuré de la joie à ma femme, c'est de l'émotion. Lorsque vous stimulez la curiosité, j'amène ma femme à se demander, mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? C'est aussi de l'émotion que de stimuler la curiosité. Il n'y a pas d'histoire qui vend sans émotion. Il n'y en a pas. Deuxième aspect de l'émotion, c'est que il faut savoir que les êtres humains sont des êtres d'émotion plutôt que des êtres de raison. Je sais que ça a fait tellement de débats, mais je pense qu'aujourd'hui, le débat est clos parce qu'il y a tellement d'études là-dessus qui montrent que l'être humain est d'abord un être d'émotion. Et l'un des premiers à avoir révélé ça, c'est Antonio Damasio dans son livre « L'erreur de Descartes », où il explique comment quelqu'un, un riche Américain, muni de raisons extraordinaires, très analytique, qui calcule tout avant de prendre des décisions, a été influencé lorsque, à un moment donné, il a eu un accident qui a empêché qu'il ressente des émotions. Donc, les émotions sont au cœur de la prise de décision. Et on sait que l'être humain prend des décisions soit pour éviter la douleur, soit pour ressentir un plaisir. Lorsque je forme et que j'accompagne mes clientes et mes clients, quand on arrive ici sur
les 5 émotions indispensables à stimuler et comment stimuler chacune de ces émotions-là, quelquefois, ce qui me revient, c'est Brice, est-ce que ce n'est pas de la manipulation que de savoir que je dis ça, je fais ça et je stimule exactement telle émotion qui va avoir tel impact? Si je stimule, par exemple, la dopamine chez mon audience, mais écoute, ça va créer du focus, ça va créer de l'engagement, etc. Est-ce que ce n'est pas les manipuler? Et ma réponse, elle est simple. Et surtout, ces 2 dernières années, j'ai un bon biscuit qui m'a été remis, même si c'est dramatique, par un jeune homme en France. Ce jeune homme, un jour, vers 10h du matin, a une altercation avec sa mère. Il prend le couteau et poignarde sa mère à mort. Elle décède. Allez-vous en vouloir à ce jeune homme ou au couteau? Eh bien, c'est ça votre histoire. Votre histoire est comme un couteau. La bonne histoire est comme un couteau. L'histoire qui vend est comme un couteau. Si vous remettez cette histoire à un brigand, il va blesser ou ôter la vie. Vous prenez le même couteau, vous le remettez à un chef, il va couper des légumes, couper de la viande et nourrir les gens pour préserver la même vie. Pourtant, c'est le même couteau qui est utilisé. Donc, tout dépend de l'intention derrière. On a vu Martin Luther King se battre avec ses armes oratoires, et notamment le storytelling, c'est l'un des plus grands au monde que le monde n'ait jamais connu, selon moi, storyteller. Il a utilisé ça pour se battre pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Et de l'autre côté, on a un homme qui s'est levé et qui a utilisé ça avec son ministre de propagande, à savoir M. Hitler, pour détruire un peuple. Mais à la fin de la journée, c'était le même outil, autant que le même couteau. Donc, ne vous sentez pas gêné si derrière, vous avez un pourquoi qui est fort. Vous voulez apporter quelque chose. On va voir tout à l'heure sur quoi repose la bonne histoire. Sur quoi repose finalement la bonne histoire? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, la bonne histoire, elle fait 3 choses pour simplifier. La première chose, c'est ça. Quand vous regardez ça à l'écran, qu'est-ce que vous voyez? C'est un idéogramme chinois. Il y en a qui connaissent ça. Si vous connaissez ça, juste mettre dans le chat. Vous avez déjà vu ça passer, peut-être, sans doute. C'est quand même assez vulgaire quand on parle d'écoute empathique, etc. N'est-ce pas? Parfait. Ça, c'est l'idéogramme chinois qui signifie écouter. Donc, quand tu racontes l'histoire qui vend, c'est-à-dire la bonne histoire, tu la racontes de la bonne façon, ce qui se passe, c'est que tu es captivant. Cette histoire est captivante. Les gens vont te prêter non seulement leurs oreilles, mais aussi leurs yeux, et auront un focus absolu. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont t'ouvrir leur cœur et te considérer comme un roi, comme une reine, et donc te prêter une attention sélective. La bonne histoire est captivante. Deuxième point, c'est ça. La bonne histoire est mémorable. Un peu comme le voyage avec ma femme à Dubaï et la lune de miel. Je m'en souviendrai pour toujours et elle aussi. Et troisième et dernier point de la bonne histoire, c'est qu'elle est inspirante. Elle inspire l'action. Derrière une bonne histoire, derrière l'histoire qui vend, on a envie de passer à l'action. On a envie de closer le deal. On a envie d'acheter. La bonne histoire repose sur quoi? 3 piliers fondamentaux. Et j'insiste là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bonne histoire peut être comme un couteau. Le premier pilier sur lequel va reposer la bonne histoire, c'est la sincérité. Ma sincérité ne souffrait d'aucun doute lorsque j'avais le désir d'offrir quelque chose de spécial à cette merveilleuse dame. D'offrir quelque chose d'exceptionnel, de mémorable à cette merveilleuse dame. J'étais sincère. Oui, quand on raconte la bonne histoire, lorsqu'on raconte une histoire pour vendre notre idée, pour vendre nos projets, pour vendre nos produits, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on doit être mu par un désir profond de sincérité. Deuxième pilier, c'est l'authenticité. L'élément qu'on met en avant doit être authentique. Je dis toujours aux gens, on est dans un monde bien trop petit pour que tu racontes une histoire non authentique et tu penses que les gens ne vont pas s'en rendre compte. On est dans un monde bien trop petit pour que tu inventes des choses et que tu crois que tu vas continuer à le faire toute la vie
Un matin, quelqu'un va venir te dire, oh, écoute, j'étais là ce jour-là, et ce n'est jamais ça qui s'est passé. Donc, l'authenticité est le deuxième pilier. Le troisième et dernier pilier, c'est la vulnérabilité. Un brin de vulnérabilité, c'est ce dont vous avez besoin pour raconter la bonne histoire de la bonne façon, pour raconter l'histoire qui vend vos idées, qui vend vos projets, qui vend vos produits, qui vend vos services. Et le tout n'existerait jamais s'il n'y avait pas un socle qui est votre pourquoi. Rassurons-nous d'être sincères, d'être authentiques et d'accepter d'être vulnérables quand on raconte la bonne histoire, lorsqu'on veut raconter l'histoire qui vend. Et souvenons-nous toujours et toujours de notre pourquoi. Parce que chacune des histoires qu'on raconte est un peu comme une brique qui va reposer sur un édifice, qui va contribuer à bâtir un édifice qui lui repose sur notre pourquoi. Lorsque j'ai dit ça, je voudrais quand même nous rappeler qu'on est dans une tempête en ce moment. J'ai voulu contextualiser les choses et ramener ça dans le contexte actuel. On est dans une sorte de tempête globale dans le monde. On a une tempête de crise sanitaire. Quand la crise sanitaire veut finir, c'est la crise sécuritaire. Quand la crise sécuritaire semble s'évaporer, c'est la crise économique. On est dans la tempête. Et ce n'est pas tout. Mais autre tempête qu'on rencontre, c'est la tempête d'informations tsunamiques. Mais ces 2 derniers jours, qu'est-ce qui te suit partout sur le web? Mais c'est la gifle de Will Smith, dont tu publies quelque chose. Voilà, Loïc, tu publies quelque chose, mais on t'oublie, on va juste voir la gifle, la gifle. Ça vient de toutes parts, les informations. Et ce n'est pas fini. Mais l'autre tempête encore, c'est celle-ci. Une tempête d'experts et de concurrents qui viennent de toutes parts, qui naissent tous les jours. En un jour, les gens sont experts en tout. En un mois, les gens sont experts en tout. Chacun regarde le nouvel objet brillant et se convertit comme étant expert de ce nouvel objet brillant, en attendant d'avoir le prochain. Donc, plus que jamais, il est important de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Et souvenez-vous, s'il vous plaît, que la bonne histoire, c'est comme amener son amoureuse en lune de miel. Donner avec sincérité, authenticité et vulnérabilité. S'il y a des questions, je les prends volontiers. Merci. Merci, merci, merci à toi. On va déjà t'applaudir, c'est déjà la première chose. Et puis, alors, très, très rapidement, s'il y a une ou deux réactions, une ou deux questions, vous levez la main, on y va. Mais on le fait rapide, là, parce qu'on ne veut pas dépasser. Oui, quelqu'un? Non? Attention. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Oh. Bon, Je ben écoute, peux c'était. donner un proverbe africain? Vas-y. Vas-y au grand chef, Allez, vas-y. chef. Brice, quand l'eau est versée, on ne peut plus la ramasser. On ne peut plus la ramasser. J'attendais. Bon, ok. Allez, quand l'eau est versée, on ne peut plus la ramasser. Merci, merci, merci. Et bah, écoutez, c'était une bonne première partie de cette dernière partie de la journée. Si vous n'avez pas d'autres réactions, vous pouvez également continuer à dialoguer dans le chat si vous voulez. Non? Plus rien? C'est bon? Je ne veux pas vous frustrer. Hein. Bernard-Marie, non? Amadou, Madi, Christian, Eric, Je Amina, profite, Lise. Loïc, de cette occasion pour vous saluer. Je suis obligé de vous quitter. Bravo pour cette magnifique histoire inspirante. Je vous salue tous et toutes. À Merci. bientôt. Merci. Bernard-Marie voulait parler. Il est arrivé tout Oui, à l'heure. Il est je suis arrivé. arrivé il n'y a pas très longtemps. J'avais des trucs à faire avant. Merci infiniment, Brice. C'était comme tu dis, c'était sincère, authentique. On a senti ta vulnérabilité. En tout cas, c'était captivant et inspirant. Et en même temps, c'était hyper profond, hyper profond. J'ai apprécié ça. Merci. Alors, venant de Bernard-Marie, que tu découvriras à Alternatives Forum régulièrement, hein, moi, Brice, franchement, là, hein,
Moi, j'ai pris une belle leçon. Hein. Voilà, bon, ok. Merci, alors, peut-être que quelqu'un a un autre avis en disant, ouais, c'est encore du pipeau. Moi, personnellement, je déteste Dubaï hein, maintenant. Hein. Et vous savez pourquoi hein. C'est l'endroit le pire de la Terre pour la réponse aux défis socio-écologiques. Hein. Donc, je vous le dis quand même. Hein. Change d'exemple la prochaine fois. Mais c'est dommage parce que tu ne peux pas changer d'épouse en même temps. Donc, bon. C'est ça, justement, les deux aspects d'authenticité. C'est une histoire vraie, mais surtout de vulnérabilité. Parce que le risque derrière que je prends, c'est qu'il y a des personnes comme toi qui se disent « Ah, ben Dubaï, mais ça n'a rien, ça me doit enlever la qualité » de l'événement que j'ai vécu et que je choisis de vous partager aujourd'hui. Absolument. Non, mais je tenais quand même à le dire parce que je vous signale quand même qu'il faut que vous lisiez, si vous pouvez le trouver en Afrique, il faut que vous lisiez ce livre-là. Hein. Où est-ce qu'il est ? Ah, ça y est maintenant. Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici. Et alors, vous savez quoi ? C'est une BD. Hein, c'est une BD. Voilà. Alors, il existe aussi en Kindle. Bon, mais c'est moins bien, mais bon. Pas pareil. Là, il faut l'avoir en papier. Pour une fois, je ne peux pas le lire en livre audio. Alors, on continue avec une deuxième keynote qui va être totalement différente, sur un registre totalement différent, avec un style totalement différent, et c'est tant mieux. Qui veut présenter Mehdi ? Ça va être Christian, s'il est là. Où il est, Christian ? Il est chaud, hein, Christian ? Vas-y, présente Mehdi, si tu veux bien. Eh bien, Mehdi... C'est quelqu'un que tu connaissais sans le savoir, puisque le papa, il s'appelle Belkacem. Et le papa, un jour, nous a permis de parler du Social Selling Forum et de beaucoup d'autres choses en Algérie, à Alger. Et Mehdi est une personne de grande qualité avec qui on travaille depuis déjà quelques mois sur un certain nombre de beaux projets. Et je pense qu'il va tout simplement essayer de nous séduire avec les concepts qu'il manipule et qui ressemblent un peu à Dubaï, d'ailleurs, ces concepts-là. Aïe, 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 attention. Utility tokens. Alors, vas-y, Mehdi, c'est à toi. On va t'écouter. Vas-y. D'accord. Bon, voilà. Loïc, on va vous dire, tu m'as mis un peu la pression tout à l'heure quand je t'ai entendu dire à chaque fois sur les influenceurs, les crypto-monnaies, etc. Ah, merde, je pars mal. Alors, en fait, non. Les utilités tokens, comme leur nom l'indique, en fait, c'est les tokens utilitaires. Donc, c'est des crypto-actifs, pas spécialement des crypto-monnaies, qu'on utilise, en fait, pour pouvoir, comme moyen de financement de projets. Ça s'appelle les ICO, donc Initial Coin Offering, comme les IPO pour les, voilà, pour les entrées en bourse, en fait. Donc, on lève des fonds pour financer un projet à travers des utility tokens. Donc, le but de ce token-là, en fait, c'est de pouvoir... C'est contre un service. Ça veut dire qu'on a lancé une plateforme, une solution, un produit, par exemple, un magasin, quel qu'il soit, que ce soit en ligne ou pas. Et on essaie de financer ce projet-là à travers... On fait, voilà, en proposant de financer son projet à travers ces utility tokens. Donc, les investisseurs, des personnes, des futurs utilisateurs, comme un avoir, en fait, où ils arrivent à acquérir ce token-là, évidemment, qui utilise la blockchain et qui rentre dans son petit wallet personnel, pour ceux qui ont l'habitude un peu d'avoir leur petit wallet. Et le but de financer ce projet-là, que ce soit on a besoin de 1 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 5 000 euros, quel qu'il soit par rapport à un produit, on lève des fonds à travers ça. Et donc la contrepartie, c'est qu'à la fin, quand le service est disponible, à ce moment-là, les utilisateurs, que ce soit du B2B ou du B2C, viennent utiliser ce service-là en contrepartie, en échange de cette utility token. On va dire que ça existe depuis énormément d'années. On va dire que c'est un peu les miles de Air France ou du groupe KLM qui considèrent qu'un billet, c'est 30 000 miles, etc. Mais en fait, c'est une monnaie interne à l'écosystème. Donc, ça n'a pas besoin d'être, d'être réglementé. Donc, et le but, pourquoi j'avais parlé de ça, pour revenir un peu sur l'idée du social selling, évidemment, ce n'est pas pour mettre en avant les crypto-actifs, etc. C'est plutôt... Donc, c'est pour, en fait, c'est un coin non réglementé. Donc, on n'utilise pas spécialement les circuits bancaires. Comme c'est un service interne à un écosystème, que ce soit une plateforme, par exemple, pour aller se payer la formation certifiante ou le diplôme de l'ISE, à ce moment-là, on va considérer que la formation coûterait 3 000 Medicoin, on va l'appeler comme ça, je m'envoie à moi-même, Medicoin,
pas Midicon, mais après on verra ça, Midicoin, à ce moment-là, en fait, c'est une monnaie interne et ça évite cette notion sur tout le continent africain, même à l'échelle mondiale. Si moi, je lance ma propre plateforme, une marketplace, que ce soit pour pouvoir vendre de la formation, pour pouvoir vendre un conseil, un coaching, à ce moment-là, mes futurs utilisateurs, que ce soit des étudiants, que ce soit des entrepreneurs, viennent se dire, écoutez, j'ai besoin de tant d'argent. Ils ont déjà ils ont soutenu un projet. Ça ressemble beaucoup à presque à une fondation à but lucratif. C'est qu'ils viennent soutenir un projet en faisant l'acquisition de ces tokens-là et venir les échanger dans un système. Et comme on remarque bien, comme c'est à travers le social selling, donc la vente en ligne, en fait, c'est un coin utilisable dans un écosystème. Si je fais une plateforme qui offre des solutions à l'échelle africaine, ce qui est notre cas aujourd'hui, ou le Maghreb, à ce moment-là, une entreprise algérienne, une entreprise tunisienne, une entreprise marocaine, aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler du dinar tunisien, du dinar algérien ou du dirham marocain. C'est la même unité de valeur pour tout le monde. Et on n'a pas besoin de se dire est-ce que ma monnaie elle est échangeable ou pas. C'est de se payer ce service-là. Et donc, ça facilite le service, ça facilite l'échange. Et en même temps, évidemment, ça, c'est l'utilité, d'où son nom. Parce qu'il y a d'autres systèmes, évidemment, on utilise les coins, mais c'est réglementé parce que c'est lié à un sous-jacent, donc un actif financier, des actions. Là, ce n'est pas du tout, c'est un service rendu. Et ça facilite. Pourquoi ça développe, ça va développer le social selling. C'est qu'en même temps, quand même, c'est un outil, malgré tout, de financement de projet. Et honnêtement, j'ai quelques anecdotes, mais on va dire que ce qui est pas mal et que l'exemple, on avait parlé, mais désolé, on parle toujours de toi, Jasmine, mais parce que tu es un exemple à chaque fois, mais c'est vrai que ça peut être un petit commerçant, une petite commerçante en Afrique qui se dit qu'elle a besoin d'ouvrir sa petite boutique ou son centre de coiffure ou n'importe quoi. Elle a besoin de 2000 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 ou 20 000, ça dépend, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. C'est plus facile d'aller soutenir ce projet-là à travers cette utilité token. À ce moment-là, c'est une solution de financement. La personne a dit, j'ai besoin de 5000 euros. C'est un outil très, très adapté aux réseaux sociaux. Parce qu'il suffit de poster son besoin, dire voici mon projet, et des personnes, vraiment des personnes physiques, peuvent venir acquérir ces tokens-là, et la personne va recevoir réellement de l'argent. Et donc, c'est un crédit. C'est un crédit pour future utilisation. Ça va permettre à la personne d'ouvrir sa boutique, d'ouvrir sa société, d'aller s'acheter un équipement, etc. Et par la fin, à ce moment-là, merci beaucoup de m'avoir soutenu pour ouvrir mon centre de coiffure, et la personne, en contrepartie, quand le centre de coiffure est fait, on doit revenir sur Jasmine, le centre de coiffure est fait, le futur client, la future cliente arrive, et peut-être la vente directement sur un site, mais on peut utiliser évidemment ce coin-là sur une monnaie, sur une petite toilette, et se payer en contrepartie de sa coiffure, en se disant ça coûte un midicon, deux midicon, tout dépend de la valeur à ce moment-là qu'on lui donne. Si on part du principe qu'un coin vaut 1 euro, à ce moment-là, tout dépend. Ça va parler peut-être de français CFA, de dinar, etc. Mais dans l'écosystème, c'est la même valeur échangée. Mais moi, le but de tout ça, c'est comme pour rester un peu concentré, c'est de pouvoir soutenir des projets. Pour revenir un peu à moi, d'où cette utilité, parce que, pas de publicité personnelle, mais bon, pour ceux qui me connaissent, c'est purement pour pouvoir aller faire du conseil, de l'incubation, de l'accélération d'entreprise, du financement de la marketplace et de surtout faire du développement économique de l'Afrique à travers cet outil-là. On parle aujourd'hui spécialement sur cette keynote d'utilité token, mais il y a d'autres, pourquoi encore plus simple, ça s'appelle les royalties token, mais c'est la même idée. À ce moment-là, au lieu que ça soit un token utilitaire, c'est les gens qui vont se dire exactement, j'ai besoin d'ouvrir exactement la même boutique, j'ai besoin exactement du même montant, mais en fait, vous serez rémunéré sur un pourcentage de mon futur chiffre d'affaires. La personne, elle ouvre une petite boutique, elle a besoin de 20 000 euros,
Et elle se dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Elle émet des royalties tokens. Et à ce moment-là, les gens vont acquérir exactement la même chose. Elles vont financer ce petit projet. Et en contrepartie, elle va se dire, bah, je pense pouvoir vous rembourser sur un an, sur deux ans, après ce petit modèle, sur futur chiffre d'affaires. Et les personnes vont recevoir des petites royalties journalières, hebdomadaires, mensuelles, voilà, après trimestrielles, on fait ce qu'on veut, par rapport à la promesse. Et les personnes vont pouvoir soutenir des projets à l'échelle africaine ou mondiale, en contrepartie d'un petit pourcentage du futur chiffre d'affaires. La promesse, en règle générale, c'est au minimum récupérer sa souscription initiale, au maximum, par exemple, doubler la souscription. Et ce qui est bien, pour ne pas parler de non, c'est que ce n'est pas très recommandé, il n'y a pas énormément de risques, c'est que tant que la société existe, tant que l'entité existe, la personne qui a soutenu ce projet-là continuera à percevoir des revenus, des petits revenus sur ce projet-là, que ce soit sur un an, sur deux ans, sur trois ans, etc. Elle perçoit des petits revenus et ça permet, en fait, d'aider au développement économique des personnes. Et pour rester un peu sur l'aspect digital, ce qui est bien, c'est qu'on peut soutenir ces projets-là sans jamais qu'elle ait besoin de quitter son pays, se dire qu'elle n'a pas besoin d'aller risquer sa vie pour traverser certaines mers, certains fleuves pour aller voir le rêve ailleurs. Il suffit de rester chez soi. On n'a pas besoin d'aller demander des financements hors du commun. Et ça reste dans un écosystème, c'est vrai, fermé, à travers la blockchain, d'accord, c'est sécurisé. Mais c'est un outil. Voilà. C'est juste un outil de financement et un outil du développement du commerce, du e-commerce ou des échanges de services. Comme moi, je pense que, comme vous le savez, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. À la limite, comme ça, comme je remets mes futures 5 minutes aux questions, comme ça on ne déborde pas. Merci, merci. Alors, déjà, merci. Hein, voilà, et bravo. C'est pas un sujet simple d'ailleurs, hein, les ICO, les utility tokens, la blockchain, les cryptos, les NFT, etc., etc. Ce qui est important, c'est de s'informer. Hein, et tu commences à donner l'envie à certains de s'informer et de ne pas, par contre, tomber dans les sirènes du get rich schemes. Hein. Vous allez sur TikTok, vous avez 50 000 personnes qui vous expliquent comment vous allez devenir riche en quelques minutes grâce aux cryptos, grâce aux NFT. Hein. Donc c'est là qu'il faut faire attention, à mon sens. Mais bon, ça c'est mon avis. Alors, merci beaucoup, Mehdi. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des réflexions sur ce sujet des ICO, des utility tokens, si vous connaissez ? Vas-y, Jasmine. Merci Loïc, j'ai lève la main comme ça un peu surexcitée, mais juste pour dire merci à Mehdi pour cette intervention, parce qu'il a fait exprès de me prendre, parce qu'il me connaît, il vient d'ouvrir quelque chose chez moi et je me dis, je ne m'intéressais pas du tout, hein, je ne sais même pas, c'est même pas la définition de blockchain, de coin et de tout cela, là, mais je me dis, Mehdi, on doit en parler parce que si ça arrive à fonctionner et que ici sur place je vois qu'il y a des choses que ça peut vraiment faire évoluer, ça me parle en fait. Si on peut faire évoluer les choses, ça me parle. Oui. Donc si du coup on prend ces choses là de ce côté là finalement on voit l'apport et la contribution de ce qu'on peut faire sur le terrain. Merci beaucoup. C'est comme le couteau de notre arbitrice. Même pour répondre à l'inquiétude de Loïc, en fait, voilà, c'est pas régi par de la fluctuation. Là, on ne parie pas. C'est la même information. Après, il peut y avoir un marché secondaire de personnes en se disant « c'est génial, en ayant du Midicoin ou du Jasmine Coin, on va l'appeler comme ça par rapport au projet-là », à ce moment-là, peut-être que la personne derrière va se dire « attention, honnêtement, la boutique, c'est génial », et au lieu de se dire « 1 euro égale 1 coin », ils s'échangent entre eux, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que, voilà, on reste sur la même idée des miles d'Air France, qui est que, OK, Air France décide du jour au lendemain que le billet va passer de 30 000 à 150 000 miles, mais bon, mais parce que ça, c'est indexé à l'euro. Si son billet coûte 1 000 euros, ce n'est pas de sa faute de dire que du lendemain, ça fait 150 000 miles, mais ça reste la même idée. Il n'y a pas de fluctuation de la valeur de cette unité-là, donc on ne parie pas, on n'est pas en train de boursicoter. C'est la même entité. Voilà. Et ça va permettre d'unifier tout ça sur tout le continent, parce qu'on le sait très bien, là,
le français AFA, le truc, c'est indexé à l'euro, comment je vais faire, etc. Bon, je redonne, pardon, les questions. Désolé. Ah, ouais. Alors, oui, et d'ailleurs, c'est comme le couteau dont Brice parlait tout à l'heure, ça peut servir à plusieurs choses. Hein. Voilà, on est tout à fait d'accord. Alors, il y avait Nora qui voulait poser une question, elle a arrêté. Oui. Vas-y. Oui, non, j'ai toujours ma question, et merci Mehdi, c'est super intéressant. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais ça me semblait beaucoup plus compliqué que ce que tu expliques, c'est super. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a des plateformes particulières que toi, tu préconises? Alors, quand c'est interdit de se faire d'autopub, la mienne, par exemple. Ah, là. Si, vas-y, allez, vas-y, on est en soirée. On n'a pas préparé. Alors, non, voilà, il y a une plateforme, là, c'est une plateforme de tokenisation, que ce soit de la levée de fonds normale à travers les STO, les Security Token, qui est réglementé, parce que c'est des actions, c'est des obligations, etc. Donc, ça, c'est une levée de fonds normale. Après, les ICO, c'est que, on peut, voilà, tu as un projet, on fait le business plan, on regarde, etc., quel est ton besoin, et on émet les utilités tokens liées à ton projet. Et à ce moment-là, on utilise les réseaux sociaux et le petit réseau, la love money, etc., pour pouvoir que les gens viennent acquérir cette utilité tokenienne en contrepartie d'un contrat, voilà, etc. Donc, c'est, voilà. Donc la plateforme, c'est mon métier aussi, le financement. Mais après... Oui, il y a les autres plateformes existantes, c'est beaucoup plus des plateformes où tu te débrouilles, voilà, tu débrouilles toute seule pour aller tokeniser ton truc avec des solutions, et après, ils viennent te proposer la possibilité de créer ton propre wallet pour le truc. Mais la tokenisation, voilà, il n'y en a pas beaucoup sur ça. C'est pour ça, c'est un métier exactement qui est une société de conseil qui va en lui disant « j'aimerais bien lever des fonds sur… » à travers mon capital, et qui te fait toute une analyse financière et l'émission, par exemple, de tes obligations, ben là, c'est une plateforme simple que j'ai à ma disposition, du fait que tu viens avec ton projet et on tokenise ton projet. Voilà, donc, alors, Marianne voulait également réagir, puis ensuite, Marianne, vas-y, Marianne. Dans le chat, on a été plusieurs à reconnaître un fonctionnement des monnaies locales. Donc, je ne sais pas si ça a une existence sur le continent africain, je suppose, mais donc, le principe des monnaies locales, c'est une communauté qui peut être une ville ou un territoire plus grand qui se met d'accord pour éditer une monnaie qui va en général être associée à un projet. C'est souvent pour développer le commerce de proximité, c'est souvent pour développer des initiatives solidaires ou sociales ou environnementales. Je sais que la mairie de Paris avait un projet, mais je ne sais pas s'il a abouti. En tout cas, Montreuil l'avait fait. Moi, j'avais étudié celle de Rouen, qui était assez active. Donc, ce n'est pas tout à fait le même phénomène. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que il peut y avoir des hybridations intéressantes. Parce que du coup, moi, ce que m'a dit à expliquer, ça me fait aussi penser au phénomène du crowdsourcing. Mais c'est vrai que dans le principe de la monnaie locale, et après tout ce qui est similaire, c'est que c'est quelque chose qui est à côté du système financier, même si à un moment donné, il y a une conversion. Mais du coup, on est un peu libre des règles de circulation et d'utilisation de cette monnaie, et on peut l'utiliser pour justement faire avancer des valeurs auxquelles on croit. Donc ça peut être la proximité, ça peut être la solidarité, ça peut être... le développement de l'entrepreneuriat féminin, ça peut être la lutte contre l'analphabétisme, ça peut être plein de choses. Et je voulais savoir s'il y avait aussi cette dimension dans le projet du CRI. Bah, écoute, totalement, tu fais très très bien d'en parler, Marianne. Ce concept-là, voilà, on réinvente pas la roue. C'est exactement ce concept du développement du commerce de proximité. Demain, j'arrive, voilà, je crée un bout de papier qui s'appelle Midi Paper ou quelque chose comme ça. Et le but, c'est, voilà, c'est exactement, il est fait pour pouvoir s'échanger dans un écosystème fermé. Donc, exactement. Donc là, aujourd'hui, quand on est en train de parler de Maghreb ou d'Afrique, le commerce de proximité, bah, on peut dire que c'est le pays, ça peut être le quartier, la région, le truc, le pays ou le continent entier. Pourquoi on peut se le permettre au niveau digital? C'est juste, voilà, aujourd'hui, on parle de tout à l'heure d'outils, c'est... On parle d'utility token, et voilà, en utilisant la technologie token blockchain, mais en réalité, le concept en lui-même,
exactement, c'est même pas à peu près, c'est exactement ce côté-là du commerce de proximité à émettre une monnaie, mais au lieu de rester sur le papier, on s'échange de proximité, de bout de papier, par exemple, là, je crois que c'est l'Angleterre ou l'Irlande qui avait déjà fait pour la proximité, soutenir des types de monnaie comme ça, locales, pour éviter d'aller importer, utiliser la monnaie. Donc c'est ça, c'est exactement le but, c'est ça. C'est juste que la technologie en elle-même, c'est le token. Ouais, c'est la crypto. Mais le concept est là, mais moi, de pourquoi le titre s'appelait le développement du social selling en Afrique, c'est qu'au lieu que ce soit proximité, le commerce de proximité, moi je considère que je veux le faire à l'échelle, la proximité elle est à l'échelle continentale. Et si demain on considère comme on est aujourd'hui d'émettre cette utilité token dans un écosystème africain, bah après on verra le service, on peut même l'appeler social selling coin, de dire que cette monnaie-là, mais c'est vrai, cette monnaie-là ne va servir que se payer des services autour du social selling. Et à ce moment-là, un Africain à l'autre bout de l'Amazonie, à l'autre bout de l'image qu'on s'en fait dans un petit village, comme en Afrique du Nord, en plein, etc. Donc c'est exact, ils ont les mêmes services, ils ont le même pouvoir. Et dans notre cas, nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un formateur dans un petit village africain a la même valeur que le formateur français, européen, pour le même service. Mais se payer ce service-là. Merci. Alors, Marilyn, si tu voulais dire quelque chose, vas-y très vite, parce qu'après, on termine cette session. Hein, il nous reste 2 minutes. Oui, alors, je voulais dire, c'est la même question, j'avais mis dans les commentaires, mais ça rejoint le fonctionnement de la monnaie locale. Donc, tu as répondu. C'est vrai que moi qui suis en Bretagne Sud, il y a une monnaie locale qu'on appelle le Ségal. Mais ce qui est intéressant de le dire également, c'est que cette monnaie peut être utilisée aussi bien par l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'économie de marché, parce qu'il y a des commerçants sur place de proximité qui prennent part. Voilà. Eh bien, on est dans le même cas, absolument. Exactement. Merci beaucoup. Alors, merci, on va encore t'applaudir. Et nous allons essayer maintenant de terminer ce Social Selling Forum avec quelques leçons apprises. Donc, ce que je vais demander, c'est aux personnes qui sont restées suffisamment longtemps aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs heures avec nous, hein, sur l'ensemble de la journée, de lever la main pour nous donner les 3 leçons qu'elles ont vraiment retenues. Alors que ce soit des intervenants ou que ce soit des participants, je ne vais pas dire lambda, mais les gens qui sont inscrits quoi, au forum. Donc vous levez la main, virtuelle ou réelle, et vous nous dites, aujourd'hui, voilà les 3 choses que j'ai apprises, 1, 2, 3, et vous le dites de manière claire, concise et précise. D'accord ? C'est ça que le cahier des charges, si vous voulez. Alors, qui veut commencer ? C'est toujours difficile de commencer, hein ? Bon. Je vais me lancer, chers amis. Vas-y, parce que je ne vais pas tarder. Hein. Donc, moi, je dirais l'importance d'être aligné avec soi-même, avec qui on est, et de cultiver cette différence. Je dirais l'importance, et merci beaucoup, Brice, pour ton excellente présentation aussi, c'est l'importance d'une histoire qui inspire, et travailler beaucoup ce sujet-là, parce qu'on a tous beaucoup d'histoires à raconter, mais on les raconte peut-être pas assez bien, et on pourrait juste les faire progresser un peu. Ça serait beaucoup plus puissant et beaucoup plus vendeur. Et puis, travaillez, nourrissez, arrosez votre confiance en vous. C'est la base de votre succès à venir. Donc, 3. Hein, chacun, c'est la règle de 3. Moi, j'aime bien la règle de 3. Donc, allez, qui d'autre veut continuer à s'exprimer sur les 3 leçons que lui, elle, a apprises, hein. Ce n'est pas ce que vous avez appris aux autres qui m'intéresse, c'est ce que vous avez appris. Vas-y, Maureen. J'aime bien quand Maureen Hurstel nous rejoint parce que c'est une de ces jeunes dont on parlait aujourd'hui. Vas-y, Maureen. Ah, ok, je suis étonnée. Je ne sais pas si j'ai été assez longtemps, mais en soi, j'avais déjà entendu la plupart de toutes les leçons qu'il y avait là. Mais ça fait toujours du bien de les réentendre. Mais une que moi, personnellement, qui m'a personnellement marquée, c'est qu'il faut avoir de l'audace. Donc, en soi, ne pas jamais avoir peur en soi de dire quelque chose qui peut sortir du cadre. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, aussi, j'ai remarqué, simplement dans des discussions de la vie de tous les jours, que je ne savais pas raconter une histoire, ou en tout cas, ça dépendait des moments, mais pas toujours.
Donc, merci beaucoup pour cette présentation sur comment raconter une histoire. Et en soi, j'en ai retenu encore beaucoup de choses, mais c'est deux choses qui, moi, m'ont vraiment marqué. Et tu vois, elle est anticonformiste parce que je dis trois et elle en fait deux. Ben, c'est parfait, Maureen. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fille de notre ami Cyril qui était là tout à l'heure. Je ne sais pas où il est passé d'ailleurs. OK. Merci. Qui d'autre veut s'exprimer? Allez-y, allez-y. Il y a encore quelques personnes qui sont là. Bon, sinon, je vais... Alors, les trois cons. Les trois cons. Là, que les trois cons. Bon, voilà, Loïc. Voilà, il a retenu les trois cons. Ben, c'est bon. Merci, Désiré. Les trois cons. Alors, Lise nous a partagé comment développer la confiance en soi. Et Brice nous a appris à partager comment être convaincant en racontant une histoire. Donc, à la fin, on ne sera que contagieux. Voilà. Merci. Ah, excellent, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, et Myriam, toi qui étais là ce matin à 6h30 heure locale et qui est encore là ce soir, enfin ce soir, pour toi c'est le début de l'après-midi donc, hein, mais après il y aura 15h46. Mais écoute, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire encore sur le social selling, à développer. Et donc, avoir confiance en soi, l'estime de soi et l'audace. Et puis, voilà. Eh bien, merci. Marianne, vas-y. Les écrits, tu as vu, je suis une bonne élève. Donc, en Afrique, le storytelling se transforme vite en proverbe. Premier apprentissage. Deuxième, la confiance en soi, c'est réciproque. Hein. Je remercie encore Lise. Pour moi, c'est un vrai petit... découvert ça. Et puis, ça, c'est une citation que j'ai gardée. Ce qui se mesure, ça m'énerve. Je vais laisser 30 secondes pour présenter mon sketch note très coloré de Brice. Donc, j'étais pas prête quand Brice a fini. Voilà. Mais du coup, je vais le mettre dans le chat. Alors. Je suis pas sûre qu'il soit très lisible. Trop de couleurs, tu le texte. Mais bon. Oh. Je suis. Voilà, mais il m'a inspiré quand même. Bravo. Bravo. Bon. Bravo. Amadou, ah bah tiens, on te revoit plus. Vas-y, Amadou, quelles sont les trois choses que tu as apprises aujourd'hui? Pour que les gens aperçoivent ce qui passe envers nous. Ce sont les trois choses que j'ai appris à poser. Et vous avez vu comment ça marche avec Zoom, hein, quand il a des problèmes derrière, il parle à toute vitesse, notre ami Amadou. Il rattrape. C'est Zoom qui rattrape. Merci Amadou, tu devrais le réécrire dans le chat si tu veux bien, comme ça nous on s'en imprégnera. Merci beaucoup. Allez, une petite dernière pour la route. Qui d'autre? Ah ben vas-y Jasmine, et voilà, comme ça on va faire la conclusion après. Donc moi, je suis vraiment très, très ravie d'avoir passé cette journée avec vous. Et donc, ce que j'ai appris et, de tous ceux qui découvrent, c'est qu'il est possible qu'entre nous, nous créons des synergies. Parce qu'on a dit que ça semble, se ressemble, et qui se ressemble, ça semble. Donc, il y a un moyen de créer des synergies afin que nous puissions faire avancer cette vision que nous avons de cette belle Afrique que nous sommes en train de booster, de propulser en avant-plan. La deuxième chose que j'ai appris et que je continue d'apprendre encore et qui me donne une autre preuve aujourd'hui, c'est que, en fait, avec le digital, le monde s'ouvre à nous, le champ de possibilités est là et donc nous n'avons pas de limites. Peu importe que nous soyons au fin fond de notre village, quelque part, je ne sais pas où, ou que nous soyons en France, en Europe, au Canada, comme mon frère Brice, bah, on peut prendre la parole et montrer ses talents, montrer ce qu'on peut faire. Et la troisième et dernière chose qui est la plus importante encore de toutes, c'est que quand vous organisez un programme comme ça, vérifiez le changement d'heure. Pourquoi 6h30 du matin, c'était chaud. Donc, voilà. Moi aussi, je l'ai appris, ça. Moi aussi, je l'ai appris. Donc, voilà ce que j'ai appris. Merci beaucoup, merci à tous. Bon, ben tiens, pendant que j'y suis, je vais demander. Ah, ben, il y a Jimit. Vas-y, Jimit. On dit comment? On dit Jimis ou Jimit? Ou comment on dit?
Mets ton micro. Mets ton micro, vas-y. La première chose. Oui, j'ai dit 10 mètres. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Les trois choses rapidement. Oui, les trois choses. Bon, j'ai à changer ma photo de profil sur LinkedIn, faire mettre à jour mon info, lorsqu'on était dans le forum présent. Donc, la deuxième, la salle là, Denise, j'étais le cas parti. J'ai donné mes impressions sur LinkedIn, on m'a corrigé et réacté. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'était, bon, lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat, bon, j'étais un petit, c'est pourquoi je ne pouvais pas réagir. Mais bon, comme a dit tout à l'heure Amadou, il faut commencer et par faire les choses. Donc, en tout cas, toujours heureux de participer et vraiment d'apprendre beaucoup, beaucoup de leçons sur le commerce en ligne. Le social, c'est... Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à toi. Alors, tiens, Christian, pour terminer, dis-nous ce que toi, tu as appris. Comme ça, il va être bientôt l'heure de... Voilà, merci. Donc, je vais dire simplement que moi, ma confiance a augmenté avec les différents partenaires avec qui je travaille et qui étaient pour la plupart présents aujourd'hui et que j'apprécie beaucoup... tout ce qu'on a lancé il y a déjà quelques années ensemble avec Loïc, mais aussi avec Désiré et aussi avec Jasmine. Et que le fait de travailler de manière plus régulière augmente la performance de nos actions. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Parce que c'est le bénéfice qu'on est en train de tirer les uns avec les autres. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à co-construire ensemble. Voilà ce que j'ai appris. Merci, merci. Merci. Il y a quelque chose, Loïc ? Je ne suis pas resté des heures, mais pour conclure, moi, il y a trois points. Pourquoi j'étais présent, alors pas pendant des heures, mais moi, ce que j'ai appris, en fait, du Maghreb et de l'Afrique, comme souvent, en trois points, c'est votre enthousiasme, votre humilité et votre positivité. Pour assister à pas mal de social selling forums en ligne ou en présentiel, et Loïc en est témoin, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est pour ça que je suis venu, vous avez la banane, quoi, c'est le cas de le dire. Vous avez vraiment en fait un enthousiasme, une positivité et surtout une forme d'humilité. Vous ne vous la pétez pas, mais il y a une envie et tout. Et ça, c'est vachement contagieux. Et moi, je vous remercie pour ça, sincèrement. Hein, je vous remercie pour ça. Et aujourd'hui, c'est toi qui me donnes les larmes aux yeux, Fabrice. Bah, c'est pas... Jasmine qui ne m'arrête pas de me faire pleurer comme une madeleine. Et aujourd'hui, moi, je n'ai rien fait aujourd'hui. Et en plus, Fabrice, il n'arrête pas de faire des jeux de mots. Dans le chat, Fabrice, ouais, il fait beaucoup de jeux de mots, Fabrice. Mais plus sérieusement, ce que j'ai dit, c'est sincère, quoi. Parce non, que je peux plaisanter, effectivement, j'adore plaisanter. Mais vraiment, c'est vous êtes communicatif, quoi. C'est super important, quoi. Et comme je vous le dis, votre humilité, elle est grande, quoi. Et en même temps, vous, voilà, il y a... Il y a une positivité qui est communicative. Moi, ça m'a ragaillardi, ça me fait du bien. Et voilà. Et je pense que ça fait du bien à pas mal de monde qui sont ici, je pense. En fait, on a une connivence intergénérationnelle. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Ah, et je vais vous dire quelque chose. Le prochain Social Selling Forum en ligne, hein, qui est accessible à tout le monde, de tous les pays francophones plutôt, parce que bon, faut comprendre le français, c'est le 13 avril. Avec Fabrice, à la co-manœuvre, avec Pascal Brault, avec Thierry Coulemain, avec Nicolas Froment, et ça va se passer à Cholet. Cholet. Ça va se passer à Cholet. Cholet. Et ce Allez, sera sans hybride. Les mouchoirs, on va sentir les mouchoirs. Voilà, et ce sera hybride, et je vous assure que les conférences qui sont prévues sont évidemment presque aussi bonnes que celles que nous avons eues aujourd'hui. Hein, dans... Alors, voilà. Si vous venez Si vous venez physiquement... Désiré, tu entends ça, Désiré, tu n'as pas encore s'échauffer. Voilà. Alors, si vous venez physiquement du Togo à Cholet, vous pourrez également assister à des ateliers, parce que les ateliers, heureusement ou malheureusement pour certains, ils seront uniquement en présentiel. Hein, les ateliers par contre, toutes les conférences vont être, si tout se passe normalement, comme ça s'est passé à Paris, notamment avec Marianne, où ça s'est bien passé en hybride, comme bien, ça s'est passé à Vannes, avec Marilyn, qui est peut-être encore là, et d'autres, ça s'est bien passé à... Oui, elle est là, Marilyn, je la vois, oui. Ça s'est bien passé à Vannes aussi. Là, ça va être le troisième Social Selling Forum hybride.
Alors, je vous signale que si vous voulez faire ce genre de choses, vous avez vu à peu près l'équipement que j'ai là. Hein, voilà, moi, j'utilise à peu près ce que vous voyez là, avec un certain nombre de matériel plus ou moins, hein, pour que ça puisse fonctionner en hybride. Pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que nous avons fait aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout le matériel que je vous ai montré pendant toute la journée, là. Il faut beaucoup moins que ça. Mais quand vous voulez faire quelque chose d'hybride, il faut y aller avec l'audio et la vidéo, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et Gilbert en sait quelque chose, puisqu'il a, lui, été l'artisan du Social Selling Forum semi-hybride de Montpellier, où la matinée a été passée grâce à Gilbert. Moi, j'étais à distance et lui, il était sur place. Hein. Gilbert. C'est moi qui ai les galères sur place. Voilà, il a les galères sur place. Bon, maintenant, vous pouvez aussi venir à Genève, où les Suisses sont un peu plus fermés, puisque c'est uniquement en présentiel à Genève. Hein, vous venez, puis voilà, vous payez vos 50 francs suisses, d'ailleurs, c'est très bien, puis vous venez pour la journée. Ouais. Ou alors, vous pouvez venir à Toulouse, où il y aura beaucoup de billets offerts. Et là, ça peut être une bonne solution de venir le 26 avril en physique, en chair et en os uniquement aussi, à Toulouse le 26 avril. Ça vous fait des petites vacances pour ceux qui n'habitent pas trop loin. Mais sinon, encore une fois, votre prochaine possibilité d'un Social Selling Forum en ligne, c'est le 13 avril. Et ensuite, ce sera le 2 juin. Et le 2 juin, on parlera également de ce qui concerne les côtés juridiques du Social Selling et des réseaux sociaux. Parce qu'on a des spécialistes du droit qui nous accueillent. C'est à la faculté de droit de Laval que nous allons. Et là, on aura également un Social Selling Forum hybride. Donc, vous pouvez, pour ceux qui aiment bien écrire « Save the date » parmi les gens qui sont ici, là, alors même que c'est la veille ou le lendemain, eh ben, là, vous pouvez écrire « Save the date hein, », parce que c'est pour dans un ou deux mois. Voilà. Moi, Loïc, encore... sur Laval, si tu souhaites que je sois là, je peux me déplacer. Eh bien, écoute, Marianne, tu es la bienvenue. Tu me refais un petit message privé sur LinkedIn et tu me dis, je veux venir. On a besoin d'intervenants sur Laval parce que c'est une petite ville. Vous savez, les cadors du social selling, pour se déplacer à Laval, c'est moins intéressant que Paris ou que Lyon, je ne sais pas quoi. Donc, oui, effectivement, à Laval... Mais tu es une cador, d'ailleurs. Toi, tu viens aussi à Paris et à Lyon, mec. je me mets complètement à la ramasse aujourd'hui. J'ai fini par faire la connerie du jour, par dire la connerie du jour. Je m'étais promis de ne pas faire d'impair aujourd'hui, en dehors d'être un peu vulgaire. Bon, écoutez. Bon, ça va. Oui, ça va. Ça va. Je vais encore une fois vous remercier tous, vraiment. Moi, j'ai appris quelque chose. Je vais vous dire ce que j'ai appris. Hein. Attendez, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai appris. J'ai appris qu'on peut faire des Social Selling Forum Africa toutes les 6 semaines. J'ai bugué. Non, bon, on va peut-être pas le faire toutes les 6 semaines, et puis un jour on le fera physiquement au Togo ou physiquement au Sénégal. On va trouver comment le faire. Voilà. Ouais. Mais il faudra en refaire un peut-être au deuxième semestre, je pense quand même. Changement d'horaire aussi. Mais c'est des leçons que j'ai apprises, mais rien ne t'inquiète pas. Moi, j'apprends rien. 5h du matin, là, c'était chaud. C'était dur. On l'heure diverse. Et... une idée lors de la future CAN en Côte d'Ivoire, why not? Ouais. Ce qu'il faudrait que vous appreniez aussi, c'est que c'est très difficile de changer la planification des événements live sur LinkedIn. C'est même impossible. C'est même impossible. Et ça fout le bordel. Enfin, ça fout la mouise complète si on change l'horaire d'un événement parce que ça casse tout. Donc, vous voyez, quand j'avais planifié 6 événements là. C'était absolument très, 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 très délicat, et surtout la veille de bouger oui, tout d'une heure ou deux. Hein, donc, bon. Oui, c'était... Voilà, donc Jasmine, c'est elle qui m'a... C'est à cause de Jasmine qu'on est resté assis... Non, je rigole. Allez, on a fini c'est officiellement. C'est pas vrai, j'ai même rien fait. On a fini officiellement. Je vous applaudis, je vous dis merci encore une fois. Voilà, le 90e Social Selling Forum est terminé. Le 91e, c'est la semaine prochaine. Le 92e, dans 2 semaines, à Cholet. À Cholet, pardon, en mode hybride. Le 93e, ce sera à Toulouse. Le 94e, à Laval. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et on continue dans l'after, encore quelques instants. On est toujours en ligne. Si vous avez encore des choses intéressantes à raconter à tout le monde, vous le dites maintenant. Sinon, on arrêtera le streaming.
Je vous dis bonne soirée, en tout cas. Merci. Voilà, mais on te dit bonne soirée aussi. Tous ceux qui veulent. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye, bye, bye. À bientôt. Il est quand même 16h déjà. Choukran. Merci beaucoup à tous. Choukran. Et merci à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Hein, c'est sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum dans la playlist Africa que vous retrouverez tout ça. Hein, d'accord. Merci à vous. En replay, mais c'est pas grave. Merci à vous tous, à tous les participants. On se dit au revoir à la chaîne prochaine. Au revoir, merci, au revoir, merci. Au revoir, Amadou. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Yassine. Moi aussi, on te le dit aussi. Et Loïc, Christian, merci aussi de m'avoir permis. De parler un petit peu de moi, de nous, de ce qu'on fait et de faire enfin de continuer à faire vivre Antoine en fait parmi nous. Antoine David qui nous a quittés il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, ça passe tellement vite. 3 semaines. Un infarctus, comme ça, tout d'un coup, vous imaginez, il était jeune, hein, Antoine, il était beaucoup plus jeune que toi, Christian, et que moi. Enfin bon, il ne faut pas rigoler d'ailleurs parce que c'est... Voilà, je suis encore une fois. Merci Fabrice. Merci à toi vraiment, Asma. Et merci Jasmine encore une fois. Je ne peux pas dire, mais Désirée, tu me ravis à chaque fois avec tes bons mots et avec ta profondeur. Hein, non mais c'est vrai. Hein. Et puis alors Christian, le maître de la connaissance. Christian, le magicien. De l'Afrique. Non, Christian, c'est le sage qui est dans les films chinois. Là. Tu sais, le gars. Christian, c'est le magicien. Christian, c'est le Bouddha. C'est le maître. Christian. Moi, je veux que Amina me dise quelque chose. Amina, dis-nous quelque chose parce que tu n'as pas parlé là ce soir et tu nous regardes. Vas-y. Loïc, ça ne veut pas. J'ai parlé de l'Amazon. J'étais dans l'atelier avec Désiré pour la formation sur LinkedIn. Absolument. Ce matin, voilà. Et après, on a parlé avec Jasmine des plats sénégalais et tout. Ah, les plats sénégalais, c'est important. Hein. Oui. Tiens, on n'avait pas fait ça. Ma réputation. Rappelez-vous de Raïssa Touochi. Hein, Raïssa Touochi qui est venue longtemps dans le Social Selling Forum, une jeune, justement. Il faudra que je la recontacte pour qu'elle revienne... intervenir, Raïssa. Oui, mais ça, tu vois, avec des sœurs comme ça qui arrivent, comme Amina, je te jure, moi, je pense que on va essayer de voir à quel moment exactement on peut planifier un social selling avec ces jeunes-là. Oui. Je pense que c'est super important. Avec des jeunes et puis avec des jeunes, des femmes, hein, des femmes jeunes. Oui, des jeunes, des femmes, des vieux aussi, parce que nous, on a besoin. Je pars toujours du. On a besoin des gens qui sont passés par là, on a besoin de votre expérience là. Et je voulais renchérir là-dessus quand on parlait en fait de l'employabilité des gens de plus de 45 ans. À partir de 45 ans, ça devient très compliqué. Parce que moi, je pense que quand on arrive déjà dans 45-50 ans, on ne doit plus être employé, mais on doit développer sa vision. En ce moment-là, on a tous les outils, pour moi, de pouvoir développer sa vision et réellement, avec l'expérience qu'on a, apporter sur la nouvelle génération. Et je pense que beaucoup de gens le tutubent parce qu'ils ne sont pas rentrés en eux-mêmes pour savoir, en fait, c'était quoi ma mission? Je suis venu ici pour faire quoi? Ce n'est pas pour travailler et aller en retraite. Et c'est pour ça que Loïc, tu m'inspires énormément. Parce que tu pouvais être en train de bronzer quelque part. Mais regarde ce que tu fais avec nous et tout ce que tu es en train de faire. C'est parce que tu es en train, c'est maintenant, c'est le bon moment pour toi. Tu as assez de temps disponible pour accompagner cette nouvelle génération-là. Donc, du coup, voilà. Comme Christian, effectivement, qui manque encore mon idée. Merci beaucoup. Bon, on va arrêter parce que sinon on peut continuer encore pendant 2 heures et Christian, son dos, même s'il est dans un fauteuil, lui, et puis le mien aussi, on va commencer à souffrir, nous. Allez, bonsoir tout le monde et à très vite. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. On arrête le streaming. Au revoir tout le monde. Au revoir.